Voilà, à Paris. Voilà, c'est bon. Bravo. On va faire monter à travers le jeu. Regardez bien. On le voit vraiment monter à travers le jeu. Le deuxième as, regardez. Alors pour descendre, ça va plus vite. Je le mets au-dessus. Il suffit de faire ça. Et là, c'est déjà facile. Puis deux fois. Est-ce que vous avez remarqué la qualité du silence quand on joue avec de l'argent? Ils sont tous comme ça, Céline. On ne veut pas vous froisser. Donc une troisième fois. Après, on déplie dans l'autre sens. Déjà, ça change de couleur. Donc, on déplie après dans l'autre sens. Ce qu'on peut faire aussi, c'est disparition sur le bras, comme ça, vous voyez. Ce que j'aime bien aussi, c'est rendre les pièces comme ça invisibles. Il suffit de souffler dessus comme ça. La pièce devient invisible et on peut la poser dans le vide. Parce que tout le monde la voit. On peut la pour terminer. Dans la quatrième, c'est toujours la plus rapide. Allez bien. Et elle est déjà passée, parce qu'ici j'ai bien les quatre noirs de l'autre côté, les quatre rouges, lui les rouges de ce mélange. Le fil à doux, il faut un fil et un anneau. Il faut un briquet. Vous voulez faire une boulette? Grâce aux ailes, les pièces peuvent voyager. Tout simplement. La magie, c'est super. Ça. Je vous refais. Ici, la diagonale. Yes. Tac. Yes. Ici. Tac. On fait. Tac. Ah, celui-là, on a du mal. Yes. Là. Quatrième. Ok. D'abord, le verre sert à réceptionner la pièce qui passe à travers la table. Alors, première pièce, il faut trouver le trou en fait. Ça, le... ouais, ouais. Une pièce. Là, je peux prédire ce que vous allez dire là, un instant. Par exemple, monsieur, si je vous dis bleu ou rouge, choisissez bleu ou rouge. Comment? Rouge. Ah, voilà, rouge. C'est rouge. Avance. 68 ou 89? Avec 68, allez. 68, on a le salaire. Alors, c'est que j'ai écrit le futur. J'ai écrit ici sur mon paperboard. Dans le jeu, là, maintenant, pourtant on a mélangé comme des malades, hein, dans tous les sens, face en haut, face en bas, etc. Je ne pouvais pas savoir d'avance que vous alliez faire ce tour ce soir avec moi. On ne se connaît pas du tout. Peut-être qu'on se connaîtra après. Je peux vous dire que, première prédiction, dans le jeu, maintenant, il y aura 20 cartes face en bas. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, prendre le jeu, madame? 17, c'est la mobilette. 18, c'est la roue de mobilette. Le 19, c'est la chaise. Et le 20, c'est la choucroute. Donc, là, j'ai laissé un espace parce que normalement, il y avait vu que la carte était là. Ça ne s'arrête pas là. Allez en arrière. Ça s'arrête là? Oui. Ouais? Tu peux essayer ce qui pousse la voiture le long de la route? Ça s'arrête là? Ce qui voudrait dire que la carte n'est pas là maintenant.
Grâce à Titi, mesdames, messieurs, nous avons trouvé la dame du cœur. Deuxième carte, plus difficile. Regardez bien. Tu l'as pleuré? Parce que moi, je la sens, vous ne la voyez pas, mais je pense que... C'est la carte de madame? C'est le gérant? Quelle était ta carte de gérant? Le roi de carte. C'est quoi ça? En fait, je vais changer le côté, je vais mettre comme ça, je vais mettre le bas, c'est comme ça. Le problème de ça, c'est que si on fait ça, on fait deux fois, là. D'habitude, j'ai une petite balle blanche.